vous avez reconnu ce bruit, hein? Et oui, c'est lui. Regardez-le comme il est beau. Regardez-le. Le T-Rex de Jurassic Park. On peut avoir ça aussi en termes de mode. Je le trouve magnifique. Aujourd'hui, je voulais vous présenter celui-là. Le bon T-Rex de Jurassic Park avec les cols et tout. What? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ouais, il y a un truc là-bas. Oh non, la vidéo qui va durer 2 secondes. J'en ai installé plein de modes. L'objectif, c'est de vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans différentes vidéos. Là, c'est la vidéo Rex, mais il y a des embrouilles directement. Directement dans les soucis. En plus, ça fait 1000 ans que j'ai pas joué à The Isle Legacy, du coup. Je sais même pas ce que c'est, ça crie. J'ose même pas me montrer. C'est quoi? What? Ça crie fort, en tout cas. Ouf. OMG. OMG. Un Nindo à mort. J'ai pété la jambe? J'ai pété la jambe. Et voilà. Et voilà. Ouais, crie. Crie. Ça, c'est un skin du Giga, du coup. Ouais, vous reconnaissez, hein. Les victimes en puissance. Bon, après, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc... What, il va me fumer. Il va me fumer, le bougre. Ah, ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué, c'est terrible. C'est terrible. Je sais même pas si je l'ai touché, si je l'ai pas touché, genre. Ouais, je l'ai touché, il m'a pas touché, là. Pas touché, où? Ouais, crie! Crie! Ouah, t'es ridicule mon attaque, mais je sais plus jouer à ce jeu! Mais je l'ai encore pas touché! Ah si, je l'ai touché! Je l'ai touché où? Pour ma vie, je pense qu'elle fait la gueule un peu là. Allez, give up! Give up the fight! Mais non, il a pas give up! Ok. Oh mon dieu! Voilà, vous connaissez. C'est le skin du Giga, du coup, le nouveau skin du Giga, Indoraptor, non, Indorex, Indominus, j'ai, Indominus Rex, ouais, je connais mes classiques, hein. Voilà, bon, bah, écoutez, fin de la vidéo, vous avez tout vu, non, en vrai, c'est une dinguerie, mais regardez comme il est beau, hein, regardez comme il est beau, le T-Rex, c'est vraiment le T-Rex de Jurassic Park, hein. Ouais, par contre, j'ai pris tellement cher, j'ai plus joué au jeu, désolé, c'est horrible ce que j'ai vu, hein, ce que vous avez vu. C'est vraiment infâme, mais bon, c'est pas grave. J'en suis où de ma vie? J'en suis. Ah oui, c'est vrai qu'on sait pas, il y a pas le cœur. Bah écoutez, je sais pas, il s'est passé déjà beaucoup de choses dans cette vidéo. C'est incroyable, mais genre je peux pas lancer une vidéo que ça porte pas un coup direct, hein. C'est un délire. Bon bah écoutez, on se reprend dans 2h30 quand j'aurai heal mon Rex et bienvenue dans cette vidéo. Et du coup, j'ai même pas pu vous présenter ce Rex. Donc on va vous le présenter. Alors, c'est le T-Rex de Jurassic Park. Vous l'avez certainement reconnu. Évidemment, c'est le T-Rex de Jurassic Park, les cris qui vont avec. Écoutez ça. Pour moi, c'est magnifique. Il y a celui-là aussi. Cri gentil, du coup. Cri méchant. Ouais, je sais pas s'il en a un autre. Non, il a que celui-là. Et cri de peur, du coup. Voilà, c'est les cris de Jurassic Park. C'est les cris de Jurassic Park. Après, il y a celui-là. Ça, c'est quand ils discutent entre eux avant de bouffer les gens, les Rex. Voilà, en gros... Il est quand même vachement propre, vachement beau. Waouh, c'est incroyable. Non mais vraiment c'est trop stylé, hein. Je suis désolé. Hein. Ce T-Rex, la map, les cris, l'Indominus que je viens de fumer. Bon évidemment vous voyez, hein. Vous voyez ici au niveau des stats, ça reste exactement les mêmes que pour le T-Rex The High Legacy normal. Je vous le répète, c'est juste des skins. L'Indominus que j'ai tué... C'est pareil, c'était un Giga, il avait exactement les mêmes stats que le Giga. C'est juste visuel. Voilà, je vous le dis, ça change absolument pas les stats des dinosaures. C'est juste une petite info comme ça, vous le savez, au moins c'est clair et net. Par contre, du coup, je suis full perdu. Déjà que cette map, je la connaissais pas trop. Alors là, maintenant qu'on est en hiver, ça fait 8 ans et demi que j'ai pas joué à The High Legacy. Là, l'idée, c'est que j'essaie d'aller au centre de la map. En revanche, voilà. On est full perdu. Après, si je fais ça... Waouh. What? J'ai entendu un truc. C'était quoi? C'était un Puerta, ça, non? C'était par là-bas. Incroyable. Un Puerta qui se balade dans... sur cette île. Quel enfer. J'ai déjà fait, c'est vraiment un enfer. Tu te coins dans tous les arbres. Avec son cri de drogué, là.
Ouais, mais j'ai plus de vie. Non, mais un Boata, ça se tue pas en vrai. Un Boata, ça se tue absolument pas. Voilà, tais-toi. Mephi, le Boata, Mephi, je te jure. Si je te vois, je t'attaque. Mais j'ai aucune chance de m'en sortir. Vraiment, je me prends un stomp, c'est finito. Je me prends n'importe quoi, c'est finito en fait. Après, je sais pas si je vais réussir à tenir. En vrai, j'aimerais bien au moins le trouver. J'aimerais bien au moins le trouver, au moins le voir quoi. Bah par contre s'il recrie plus, c'est foutu. Il était par là, hein, logiquement. Il est où ce bug? Ah il est en bas, il est là-bas. Il revient. Enfin il revient, il recrie surtout. L'ombre. Non, l'ombre. Je suis le roi. Voilà ça. C'est chez moi ici. Non mais en vrai c'est beaucoup trop stylé hein. Vous en pensez quoi vous? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça vachement stylé? Moi je vous dis ça me donne un regain de hype pour ce jeu. Assez incroyable. C'est vraiment super beau. Ouais ouais c'est ça ouais. Bon je vais essayer d'aller chercher lui. Il est là-bas. Je vais aller le fumer ce Boata. Mais attendez, on va faire un truc. Je vais vous montrer un autre T-Rex qu'on peut avoir. Attention, il est pas RP. Mais je trouve quand même assez stylé. Préparez-vous, ça va faire peur. Ouais, on est passé à ça, on est un peu moins dans le RP on va dire. C'est un Neuro-Rex. C'est la team Neuro, vous savez qu'ils ont essayé de faire quelque chose avec des dinosaures mutés et tout ça dans ce jeu. Et ben là c'est ça, le Neuro-Rex. Alors évidemment il a les mêmes stats que l'Axe normal hein. Ça ne change absolument pas, je viens de me prendre un arbre. Les fameux arbres de Zael qui font plus de kills que tous les autres joueurs réunis. Et vous voyez qu'il est quand même assez stylé hein. Il est quand même très propre, là il a un petit pic ici. Voilà, comme ça on peut pas S-Ride. Ici un petit pic aussi. What? C'est vrai qu'il y a toujours le machin là qui gueule à côté. Je vais vous montrer ça quand même. Niveau col, on n'est pas sur les mêmes cols. Ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas, mais ils sont pas... On va dire qu'ils cassent pas trois pattes à un canard. C'est comme ça qu'on dit. Et écoutez, on est toujours pour objectif d'aller chercher ce Puerta, histoire de se faire OS, de se faire massacrer la tronche. Vous en pensez quoi un petit peu celui-là? Est-ce qu'il vous plaît? Ou est-ce que vous préférez le Rex de Jurassic Park? Répondez en commentaire, c'est très important. Moi perso, j'ai ma petite préférence pour Jurassic Park. Oh, il est là! Par contre, en vrai de vrai, c'est vraiment une idée de merde d'attaquer un Puerta, je vous le dis. Ne faites pas ça chez vous. Moi, je le fais parce que... Mais je vous conseille de ne pas le faire parce que vous allez vous faire tuer. Après celui-là, je sais pas, il m'a pas l'air très grand, donc il y a moyen qu'il soit pas adulte. Hein. Faudrait que je me planque un peu quand même. Faudrait pas qu'il me voie. Moi je le vois. Lui là il me voit pas. Si je passe par là, il va me voir. En fait il est au milieu d'une plaine. Donc il va forcément me voir. Hein. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Oh non, il est en plein milieu d'une plaine. Quelle idée de jouer ça. Mais quelle idée, non mais sérieux quoi. Jouer un Puerta. Bon, je pense que je vais devoir l'affronter comme ça. Le combat des héros. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu me cries dessus, là? Il m'a grogné dessus. Il est clairement pas full adulte. Mais j'ai aucune idée s'il est quand même super fort ou pas. J'ai aucune idée si je peux lui péter la jambe. Je sais pas du tout. Vraiment, j'en ai aucune espèce d'idée. Alors, si on fait comme ça... Il m'a raté. What? Mais attendez, je l'ai déchiré. Je l'ai déchiré en un coup là, sérieux? Regardez, il saigne et tout. Ouais, mais ça c'est parce que je suis un Rex génétiquement modifié. Je ne peux rien faire, j'ai 1 milliard de Bite Force. Ouais, c'est ça, ouais, gratte le sol. Faut pas t'en sortir, hein. Et ouais, t'es raté. T'es raté, mon bougre. J'ai fait une feinte. Ouais. Crie donc. Crie donc. Tu m'as encore raté, Lulos. Vas-y. Je sais pas si je le tue ou pas, le pauvre. En vrai. Le mec qui joue Puerta, s'il se fait tuer, il jouera plus jamais de sa vie Puerta. Et c'est bon en vrai de boire des Puerta. Je pense que je vais pas le tuer. Je pense qu'on va y faire un avertissement. Avertissement en mode arrête de gueuler comme ça, sinon tu vas mourir.
Arrête de gueuler comme ça, sinon tu vas mourir, je t'ai dit. Mais il continue à me crier dessus de façon agressive, je comprends pas. Raté. Bah ouais, raté aussi. Raté. Ouais, tu peux les enchaîner les attaques. What? Ouais, il me suis pris une béquille. Vas-y. Me casse avec mon Aurorex. Je te laisse en paix, jeune Puerta. Et fais gaffe à toi, à l'avenir. Arrête de me crier comme ça, sinon je vais revenir avec un truc pire. Un Rex du démon. Un Rex du démon qui lui n'aura aucune pitié pour ce Puerta. Vas-y, le Puerta. Attends un peu, je reviens, tu vas voir. Je pars. De toute façon, il va pas aller très loin, le bug. Je vais revenir avec un Rex du démon. Un nouveau. Le dernier que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors celui-là, il est vraiment, mais alors vraiment pas RP du tout. C'est juste que je voulais vous le montrer. Attendez un peu. Et j'espère que je le retrouverai, le Puerta. De toute façon, s'il continue à gueuler comme ça, on va le retrouver. C'est le Rex du démon. Le Rex des enfers. Satan lui-même a produit ce Rex. Vous allez voir. Est-ce qu'il serait temps de faire cette transition? Oui. Je pense que maintenant, elle peut partir, la transition. Allez. Transition. Transition. C'est le moment. Pour le Rex du démon. Bon, soyez prêts. J'ai mon Rex du démon. Ouais, désolé, c'est un peu long parfois. C'est un comique que j'aime bien. Alors ne soyez pas choqués. Là, on n'est pas dans du RP, je voulais juste vous montrer ça. C'est quelque chose qui existe sur le jeu. Le Rex du démon. C'est ça. C'est un grand n'importe quoi aussi, on peut dire ça. Regardez-moi ce machin. Comme il est infâme. Il a plein d'œil là, de ce côté-là. Il est vraiment dégueulasse. Il a trois queues derrière. C'est l'enfer. Mais bon, c'est un Rex qui est pas très gentil. C'est le Rex qui va tuer ce Puerta. Si je le retrouve en fait. Bah il regueule. Mais il a pas compris hein. Il a pas compris le bug. Alors il va mourir. Périr sous les coups de butoir. Du Rex démoniaque. Ouais. Et il y a un côté qui est pas modélisé ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça a merdé. Oh attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas ce que c'est. C'est un enfer. C'est juste pour vous montrer le cerveau déviant des modernes. C'est tout. Alors qu'est-ce que vous en pensez aussi, dites-le dans les commentaires. Moi, c'est pas trop mon truc, hein, mais après, certains d'entre vous peuvent aimer. Hein. On peut pour imaginer pour des soirées Halloween ou ce genre de truc, ça peut être sympa, en vrai. Ok. Mais il a déjà régen. C'est pas vrai. What? M'a fait mal. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu périras. Tu périras. Dans mes bras. Voilà ça. Où vais-je attaquer? Patte arrière, devant, patte arrière, devant. Patte arrière, devant. Gauche, droite, devant, derrière. Ouais, j'entends un petit type ici. Un type psoriasis. Ouais, cette fois-ci, gros, tu vas pas t'en sortir. Je sais pas si je le tue ou pas, le pauvre, moi. Le mec qui joue Puerta, s'il se fait tuer, il jouera plus jamais de sa vie Puerta. Et c'est bon, en vrai, de boire des Puerta. What? M'a mis une tatane. Ouais, je t'ai arraché l'épaule. Voilà ça, le Rex. Voilà le Puerta. T'avais dit qu'il fallait pas rester là. Non mais il est pas très solide. Il était pas full adulte lui. C'est quoi ça? Elle était bien remplie cette vidéo. Elle était bien remplie. Je vous ai montré trois différents types de Rex. Ouais mais ça c'est à force de gueuler. Qu'est-ce qui se passe? Viens, si tu l'oses. What? Oh non, un Gali. Tout mais pas ça. Tout mais pas ça. Oh il a un skin le Gali. Vas-y je suis gentil, je vois ton skin. Viens. Ici. Je savais même pas que tu avais un skin.
N'aie pas peur, petit Gali. Oh, il est trop stylé. Je découvre avec vous. Eh, fais pas le nerveux, tu veux quoi? Je veux juste voir ton skin. Oh, il est super beau. Ah, ça lui va bien comme ça. Ok. Bah, je découvre avec vous parfois. Hein. J'ai installé des trucs, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, fais pas ton nid à côté, tu cherches des embrouilles toi aussi là. Ouais, c'est fini là, je suis plus gentil. Vas-y, va pleurer ailleurs, je te dis. Voilà, avec mon axe dégueulasse là. Ouais, c'est ça, ouais. Barre-toi. C'est ma proie ici là. Ici, c'est mon terre-terre maintenant. Ok. Mais bref, j'en étais où avant qu'il arrive l'autre bougre. J'étais en train de dire que c'était une bonne vidéo. Je vous ai montré 3 rex différents, 1 giga, l'Indominus et le Gali. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On en découvre un peu chaque jour. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous en masse. On a toujours cet objectif des 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et puis mettez des pouces bleus. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, vous savez, c'est que je dois apprendre à articuler. Tchuss tout le monde.